Bonjour, bonsoir, selon vos points géographiques, votre frère et ami Souleymane Kondé, ce mardi 12 octobre 2021, c'est une vidéo pour une problématique d'intérêt commun. C'est à propos des visas guinéens délivrés à l'étranger et des passeports guinéens difficilement accessibles à l'étranger par les Guinéens. Hier, il y a ma mère qui m'a demandé, parce que je fais un visa pour elle, un visa guinéen dans son passeport américain en 2018. Ce visa est arrivé à expiration depuis juin. Elle veut aller en Guinée. Elle me demande de l'aider à avoir un deuxième visa et d'envoyer son passeport au consul à New York. J'appelle le consul. Le consul m'envoie un formulaire, un avis signé par l'ambassadeur Ali Diané. Je vous le lis. Cette vidéo, c'est pour demander humblement au CNRD de revoir la décision du régime d'Alpha Condé. Parce que les populations ne font que souffrir. Les populations guinéennes résidant à l'extérieur souffrent. Depuis qu'ils sont là, c'est vrai, ils ont apporté beaucoup en termes de bonheur et en termes de clarté dans la vie de la population en un laps de temps. Cet avis public, je le lis pour que vous envoyez cette vidéo au colonel Mamadi Doumbouya et à son ministre secrétaire général à la présidence, colonel Amara Camara et Bala Samoura et général Idi Amin, tout ce qui s'ensuit, et même au premier ministre. La mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York porte à la connaissance de tous les demandeurs de visa désireux de se rendre en République de Guinée que les visas ordinaires autrefois délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires guinéennes à l'étranger, sont désormais émis par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est grave. À travers le site officiel suivant, www.paf.gov.gh, visa. À compter de ce jour, 16 mars 2021, et c'est pour cela que moi je n'étais pas au courant parce que j'étais en prison. Les visas d'entrée et de séjour en République de Guinée sont soumis à l'accomplissement des formalités visa dont la validité dépend du type approuvé ou délivré par les autorités compétentes du pays. Après l'acceptation de la demande en ligne, un acquis de réception et le statut de la demande seront envoyés par un courrier au demandeur. La mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies c'est compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. New York, le 16 mai 2021, Ali Diané, ambassadeur représentant permanent. C'est grave. Depuis que la Guinée en 58, c'est nos consulats qui délivrent les visas pour des Guinéens et des étrangers qui souhaitent aller en Guinée. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, tous ces pays limitrophes de la Guinée, et des grands pays. Leurs consulats délivrent les visas pour leurs citoyens et des étrangers qui veulent aller en Guinée. La France, qui est l'un des plus grands pays au monde, leur consulat à Boston ici, tu veux un visa, tu remplis le formulaire en ligne et tu vas au consulat même physiquement, tu présentes ton passeport et l'interview et tu as le visa. Maintenant, un pays comme la Guinée, ils disent d'aller en ligne. Moi, je suis allé en ligne ce matin. Je ne trouve aucun mal d'aller remplir les formulaires en ligne. C'est la chose la plus normale. Mais le site n'apparaît même pas. Je tape www.paf.gov.gn/visa Google me dit que ça n'a pas. Google me dit que ça n'existe pas. Eh, mais Altinana. Eh, Alpha finit son troisième mandat. Il pille les caisses de l'État pendant 3 ans pour qu'il ait son troisième mandat. Pour remplir les caisses, il faut passer par tous les moyens possibles, faire souffrir les populations pour une bêtise d'autre. Parce que le troisième mandat était une bêtise. Si tu fais une bêtise, rassure-toi que tu l'assumes et que les conséquences, tu les subis seul avec les gens avec lesquels tu as fait. Mais tu ne peux pas faire subir les gens de tes bêtises. C'est pour cela que Dieu a décidé, il a pris Doumbouya, qui est arrivé il n'y a même pas 5 ans dans l'armée, de prendre le pouvoir pour un peu nous soulager. Parce que Dieu n'aime pas le péché exagéré. Donc ce que je demande, ce n'est pas de la littérature, que les autorités compétentes d'aujourd'hui
abroge cette décision et laisse les consulats à l'étranger donner les visas aux citoyens. C'est aussi simple que ça. Et en plus, les passeports guinéens biométriques. Beaucoup de un pays comme la Guinée n'arrive pas à donner des passeports biométriques à ses citoyens. Beaucoup de Guinéens à l'étranger ici ont perdu l'opportunité d'avoir des papiers étrangers. Parce que quand tu appliques, on t'approuve, on te demande le passeport de ton pays d'origine. Beaucoup de Guinéens, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'arrivent pas à accéder au passeport. Leurs dossiers ont été rejetés, ils ont perdu, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et on va avoir pitié l'un de l'autre quand même. Qu'est-ce qu'est le rôle d'un État? C'est de rendre le minimum de services à sa population. Vraiment, dites au colonel Doumbouya et à tout le CNRD d'abroger cette décision. On peut même remplir les formulaires en ligne. Après, aller à New York ou dans les consulats à l'étranger. Ils vont te donner le visa quand ils vérifient que tu as rempli en ligne. En ligne, ce n'est pas grave. Ils vont remplir et ils vont te donner le visa. Tu vas te retourner. Qu'est-ce que ces petites sommes peuvent faire à un pays? Vraiment, c'est un peu ça. C'est demander au CNRD d'abroger cette décision et de vraiment faciliter aux Guinéens de l'étranger d'avoir les passeports. C'est le minimum qu'on peut faire pour un citoyen. Donc c'était ça, ce n'était pas être long. Et vraiment, c'est déplorable. Moi-même, le visa que j'ai pris dans mon passeport américain expire, je crois, en novembre là. Donc si je vais à la Guinée en décembre ou en janvier, je ne monterai pas dans l'avion parce qu'il n'y a pas de visa. Vraiment, envoyez cette vidéo, ceux qui sont proches du CNRD, les journalistes et tout, vraiment aider les citoyens de l'étranger, les étudiants guinéens qui sont en Chine souffrent tellement l'affaire de visa et l'affaire de passeport. Comment les gens peuvent écrire au ministère de la Sécurité? Eh non. Dieu a vraiment fait de mettre fin à ce régime, quoi. Vraiment, envoyez cette vidéo pour qu'on puisse... Parce que c'est un problème d'intérêt commun, tout le monde souffre. Comme moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir de l'audience, j'ai profité de ça pour au moins émettre ce problème. Et c'est aujourd'hui que j'ai subi, parce que moi, je ne connaissais même pas. J'étais en prison, j'étais à Conakry en prison, je ne savais même pas. Le 16 mars, on m'a trouvé en prison. Donc, que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu sauve nos autorités et qu'enfin, la Guinée puisse s'en sortir. Parce que personne n'a gagné quand les autorités échouent, parce qu'on souffre tous. Voici ce problème de visa qui s'oppose, parce qu'on avait des autorités incompétentes, on avait des autorités qui ne pensaient pas à la population. Voici le problème. Que Dieu nous protège et que Dieu nous bénisse tous, et qu'on puisse avoir l'esprit républicain pour ce pays. Sinon, quel que soit celui qui viendra après, si on n'a pas ça, on va souffrir. C'est la Guinée qui gagne, c'est la Guinée qui perd. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Quand le bonheur viendra, tout le monde en bénéficiera. Donc, souhaitons le bonheur. C'est le minimum, le patriotisme, j'aime à le dire souvent. Les gens m'interpellent. Ah, pourquoi tu ne viens pas en Guinée-Suleymane? Vous avez fait le combat. Pourquoi tu ne viens pas? Je dis non. Le patriotisme, ça a des échelons. Tu peux rester à 18 000 km. Tu fais ta petite prière pour ton pays, c'est le patriotisme. Tu n'as pas besoin d'être ministre, d'être directeur pour être patriote. Tu as besoin de faire ton travail pour le pays parce que Dieu te voit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui voit le cœur de tout le monde. Il sait ce que tu as pour ton pays, ce que tu as pour ton prochain. Ça suffit. Moi, j'ai fait ce combat contre le troisième mandat depuis le 16 mai 2007, mais un combat désintéressé. Je ne m'attendais à rien. On m'a qualifié de tout. On a attaqué ma mère. Tu laisses ton enfant attaquer le président. Quand je suis allé en prison, les parents ont dit c'est bien fait pour lui. Il attaque le président, il attaque le régime. Mais je croyais à ma conviction. Et je croyais en Allah que j'étais sur la vérité. Je n'écoutais personne. Et maintenant, là où on est là, moi, je sors la tête haute. Eux qui sont des ministres milliardaires, millionnaires, ils ont la tête, ils ne peuvent pas soulever leur tête. C'est ça Dieu. La vérité est le meilleur ami de quelqu'un. Moi, c'est mon meilleur ami. La vérité, la sincérité et la droiture. C'est pour ça que je n'ai même pas besoin d'être ami à quelqu'un ou de me faire plaire. Non, je suis mon chemin. Tu me critiqueras, tu ne me comprendras pas, mais au fil du temps, comme Dieu c'est la vérité jaillira et tu vas me reconnaître. Donc, je n'ai pas besoin d'être acclamé. Donc, pour moi, les vidéos que j'ai faites déjà pour des conseils au CNRD, je crois que c'est entendu. J'ai des échos et même... Donc c'est déjà le patriotisme. Tu fais ce que tu peux à des échelons, à des niveaux. Donc, que Dieu vous bénisse mes chers compatriotes et que Dieu nous aide tous et que les autorités puissent abroger cette décision. Je vous remercie.